Voilà, merci infiniment. Vous m'avez proposé d'intervenir sur le thème des objets et des mondes techniques. C'est avec grand plaisir parce que Daniel Roche fait partie des rares historiens qui, sans être spécialiste de l'industrie, ont porté une attention particulière aux techniques. Il me disait qu'il s'était fait lui-même en autodidacte, une petite culture technologique. Alors cette petite culture technologique, elle reposait sur de multiples inspirations, Mauss, omniprésent dans son œuvre, les Annales, Braudel bien sûr, mais aussi Dagonier avec l'éloge de l'objet, rematérialisé, matières et matérialisme, mais encore Judith Schlanger, dont il m'avait conseillé l'invention intellectuelle comme lecture pour ma thèse, m'offrant d'emblée de faire un pas de côté par rapport au récit des inventions et de la croissance, m'entraînant vers l'épistémologie et le questionnement du sens même de l'invention, puisque pour cette philosophe, la compréhension du déjà-dit et la redite du quasi-même formaient les deux bords du minimum inventif, une approche assez déstabilisatrice pour commencer à travailler sur l'invention au XVIIIe siècle, qui était alors totalement subsumée dans le méta-récit de la révolution industrielle et des macro-inventions. Il était hors de question pour Daniel Roche de faire le récit des grandes inventions et de la supériorité anglaise, comme on disait à l'époque. Sa proposition avait pour but, bien plutôt, l'étude de régimes technopolitiques dans la lignée de Stephen Kaplan autour de la technologie politique, de Jean-Claude Perrault autour des utopies technicistes des économistes. Aborder l'invention par les négociations de l'utilité, l'administration de la preuve, l'intéressement, à un moment où les historiens des sciences questionnaient de manière frontale la vérité scientifique, tout cela permettait de faire valoir l'existence de régimes d'innovation irréductibles à la seule logique de l'augmentation des richesses. Ce positionnement recoupait plusieurs argumentaires qui ont joué un rôle structurant dans l'histoire des techniques, il me semble, j'en citerai trois. D'abord, la mise en valeur de la spécificité du XVIIIe siècle et donc une périodisation fine au sein d'un découpage longtemps téléologique entre sociétés dites pré-industrielles et sociétés industrielles, un temps court pendant lequel la croissance s'était nourrie de la demande et non seulement des logiques de l'offre, Daniel Roche mettant en avant une économie du produit et l'essence multiple assignée à l'invention, forme, fonction, procédé, matériaux et j'en passe. Deuxièmement, cette compréhension faisait une place nouvelle aux artisans, si longtemps relégué dans la routine et l'archaïsme. Le renversement de perspective était complet avec la mise en valeur de l'inventivité artisanale, la prise en compte des circulations entre métiers, d'un monde de réseau parfaitement identifié par Daniel Roche, la complexité de l'économie artisanale, la sophistication des savoirs des artisans sont devenus des acquis pour la recherche, je pense, de nos jours, enfin presque pour tout le monde. Cette restitution des dynamiques artisanales résonnait avec un intérêt tôt affirmé pour les techniques et la matérialité dès le peuple de Paris et de manière d'autant plus originale qu'il ne s'agissait pas de techniques de production mais de techniques du quotidien, de l'économie des besoins, des techniques du corps, des contraintes et des possibles de la médiation instrumentée. En somme, un regard d'anthropologue clairement revendiqué et toujours référé aux Annales et à Braudel. On peut un peu préciser, je terminerai par là, ce positionnement, parce que Daniel Roche se tenait à la croisée de deux approches fondatrices essentielles de l'histoire des techniques, la technologie descriptive et la technologie théorique opératoire, celle des rationalisations de l'action. D'un côté, les descriptions, la culture matérielle, par l'attention aux détails, aux objets dans leurs détails, qu'il s'agisse de vêtements, de mobilier, de chauffage, d'éclairage, Daniel Roche rejoignait la veine ethnographique, le fait technique total de Mauss, le recensement quasi encyclopédique des variations, parce que les objets, les gestes, les techniques sont les marqueurs, sont les graphes des sociétés, parce qu'ils portent l'inscription de valeurs et de symboles. Il suffit de se rappeler ces pages sur le feu, la cheminée, le poêle, émaillées de références à Baudrillard et à Bachelard. Lecture de l'univers symbolique par la matérialité. D'un autre côté, l'attention à la matérialité de l'intellection, à l'intelligence des pratiques, a conduit Daniel Roche à envisager non seulement les objets, mais les raisons de l'agir, les rationalités de l'action. De manière originale, c'est avant tout les techniques du corps, le corps humain, le corps animal, qui l'ont mobilisé. Leur description, depuis le peuple de Paris, mais aussi l'étude de leur transmission, leur codification, leur rationalisation dans la culture équestre.
Daniel Roche est probablement l'un des rares historiens de sa génération, avec Jean-Claude Perrault, à avoir tôt perçu l'apport d'Hélène Vérin. Il se disait, il me disait dans son entretien public dans Artefact, qu'il se sentait l'élève d'Hélène Vérin. Hélène Vérin, donc, sur les réductions en art, l'abstraction des pratiques en principe, la base de la technologie entendue comme science des arts. Dans le dernier volume de La culture équestre, Daniel Roche plaçait au cœur de son propos cette littérature pratique et il posait la question de son foisonnement, il disait même son explosion en plein 19e siècle, alors même que s'affirmaient les sciences appliquées. Pourquoi tant de manuels pratiques? Pourquoi tant de brochures alors que rayonnait la science des ingénieurs? Mais la réponse, elle tenait dans les techniques du corps, centrales dans l'art équestre et qui avaient justifié que l'on continue à codifier les gestes pour améliorer les pratiques. En conclusion, je dirais qu'à un moment, d'essor des Science and Technology Studies, de la sociologie constructiviste anglophone, Daniel Roche a porté une filiation souvent oubliée des STS, l'école française de technologie, comme l'appelait François Sigaud, la technologie sciences humaines, chère à Audry Court, qu'il connaissait bien et qui était élève de Mauss, c'est-à-dire donc la filiation de Mauss, des annales, de l'encyclopédie française, de la revue de synthèse. Et c'est cette filiation qui permet actuellement de penser la technique dans son autonomie comme concept né dans le creuset des sciences humaines et sociales et donc irréductible à l'application de la science à l'industrie.